course due à une sortie sur le circuit. Et là, très clairement, ça nous offre une deuxième surprise, comme on a pu l'avoir à Mid-Ohio. Alors là, un mauvais concours de circonstances pour Casco Neves, il n'y est pour rien du tout. Non. La voiture de Rossi qui est venue en fait rebondir sur le Brésilien. Alors regardez bien la roue avant gauche de Rossi qui va venir heurter le casque de Castro Neves. Ça fait froid dans le dos. Hein. Des images qu'on n'aime pas forcément très bien, beaucoup de toute manière, dès que ça s'approche, en tout cas du dos de pit et du casque du pilote, c'est jamais bon signe. Et puis, c'est quelque chose sur lequel on se méfie vraiment. Voilà, ici, on voit Canan qui essaie de s'extirper de tous les débris. Et comme quoi, on essaie de mettre des halos, des choses comme ça. Mais même dans les stands à très faible vitesse, en fait, on peut arriver à avoir un problème comme celui-ci. Donc là.